Ici HTGD 76 Gaming, on se retrouve sur Call of Duty MW3 2023 pour tester le mode escarmouche qui fait son retour dès lors de cette première saison de MW3 2023. Donc il y a des maps qui existaient déjà dans MW2 2022 qu'on va retrouver, mais surtout ils ont ajouté quand même certaines Rust. J'ai un petit peu des doutes un petit peu sur l'escarmouche dessus. Et on a Training Facility. Voilà, ce sont les seuls. Sinon, Shipment, Exhibit, Black Site et Allée, on les avait déjà sur MW2 2022. Tout est réglé. On est sur Rust. On va tester ça. Et voilà. Donc, je n'ai pas voulu faire contre d'autres joueurs. J'ai voulu faire contre des bots. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. On va voir un petit peu aussi l'IA, comment elle se comporte. Parce que c'est vrai que l'IA, des fois, se comporte un petit peu bizarrement. Alors, sur Rust, qu'est-ce que ça peut donner? Ok. Bon, pourtant, j'ai bien réglé pour passer les 15 secondes, là, les machins, mais quand même, ils les mettent. Ok. On a quoi d'autre? La Rifter. Escarmouche. Ok. Prenez le paquet ou neutralisez toutes les menaces. Ok, déjà, j'en ai vu un. Hop là. Oh, wow, le délire! Et comment je me suis fait éclater! Ah, c'est corsé, hein. Oh, la vache! Oh, c'est corsé, hein. Oh, il est arrivé. Boum, 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 boum. Ah, par contre, ça cherche. Okay. Wow, bah là, c'est mort. Aucune chance. Va falloir faire mieux. Ah ouais, bah par contre, là, ouais, c'est abusé quand même. Hein. Wow. Donc déjà, c'est un fusil tactique. Ça peut être intéressant pour moi. Donc je vais rester sur ce truc-là. Alors moi j'aime pas rester sur place, je préfère me déplacer et aller chercher les ennemis. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Hop là. Voilà, je l'avais vu sur le radar. Oh là là, oh là là, oh c'était vilain ça. Oh c'était vilain. J'ai eu vraiment que de la chance. Donc c'est pas un fusil tactique, hein, c'est un fusil d'assaut, je crois. Hein. Donc là, on change par contre. Est-ce que je peux tricher par là? Oh là, j'en ai vu un. Aller au drapeau. Ah, je sais pas où il était le bot. Je sais pas où il était. Oh là! Je vais pas me faire avoir, je vais rester jusqu'au bout là. Hop là, l'autre j'ai vu derrière la voiture au fond. Oh! C'est pas possible, c'est pas celui qui était à côté de la voiture. Il m'a semblé l'avoir vu à la voiture. À la vitesse qu'il s'est déplacé, un truc de dingue. Alors, si je monte là-haut, est-ce que je vais me faire opérer? Ah, c'est chiant, là. Oh, il tire à travers les machins. Voilà. Ah, ça, faut faire attention. Hein. C'est vrai qu'il y a des armes qui peuvent tirer à travers. Ah, le replay, il était beau, là. Voilà, les deux kills là, y'a rien à dire, hein. Là, franchement. Ok. Oh là, lui, il a pas eu de chance. Là, y'en a un qui doit être là. Là. Et le dernier en face. Oula.
Oh, j'ai vu passer. On a remporté la manche. Continuez comme ça. Je suis parti les chercher. Hein. Par contre, ouais, hein, discrètement, bien, voilà, accroupi, bien joué. Allez, dernière manche, on n'en a perdu qu'un seul. Ça va, pour l'instant, on s'en sort bien. Hop, allez, je vais remonter en haut. Non, l'autre, il est monté aussi. Oh, comment il a géré. Oh, comment le bot, il a géré. Il est carrément monté en même temps que moi. Il est allé me chercher. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est sérieux, quoi. Non, mais attends, le bot, attends, c'est quoi, ça? Se lever, s'abaisser, c'est même pas visé. Ah là 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 là. Allez, là, c'est parce que c'est moi qui ai fait les bêtises. Nickel, au pistolet. Avec 14 kills. Ah, c'est parce que j'ai fait l'andouille. Hein. Bah, Rust, franchement. Franchement, en escarmouche, Rust, c'est pas mal. Sauf si, en fait, t'as des gens qui montent là-haut un petit peu pour enquiquiner. Mais dans l'ensemble, je suis assez étonné de Rust en escarmouche. Franchement. Je m'attendais pas que ça soit aussi dynamique. Et Training Facility. Alors, Training Facility, il me semble pas qu'il y était sur le MW2 2022. On va vérifier, mais je ne crois pas. Voilà, je vais pas vous faire les autres. Honnêtement, les autres, je vous l'ai déjà fait sur MW2 2022 en vidéo. Ça ne sert strictement à rien et ça va rallonger la vidéo. Oh, c'est quoi ça? C'est un pistolet, ça? Ok. Et il est bizarre le viseur. Ah, oh, c'est une mitraillette. Escarmouche. Nettoyez la zone ou prenez le paquet. Du 1 contre 1. Comment je l'ai entendu? Je l'ai entendu tomber. Oh, je l'ai entendu. Last Survivor. Je vais tester l'autre arme. Oh, elle est merdique, là. C'est pas mal. Oh là, c'est pistolet là. Ça va être compliqué là. Voilà. Oh là là. Oh, c'était juste hein, quand je l'ai eu là. Aïe 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 aïe. Ils sont tous passés à droite. Hop. Oh là là, le carnage. Ça c'est beau ça, hein.
Ça c'est beau. Ou sécuriser le paquet. Oh, j'en ai tué un. Oh, j'en ai tué un. Continuez comme ça. Oh, j'en ai tué un. Oh, coup de crosse. Ça, c'est beau, ça. Ah, est-ce qu'on en va en gagner un totalement, là? Je vais essayer avec la Rifter. Ça m'a l'air d'être un fusil à pompe, ça. Allez. Oh oui. Victoire. Victoire. Victoire totale. C'est qui le patron? Bon, bah écoutez, voilà ce que ça donne sur les deux maps, hein. Donc Rust et puis Training Facility. Donc comme vous le savez, à chaque saison ou peut-être en mid-saison, il y a toujours des maps escarmouches qui apparaissent. Vous inquiétez pas, je pense faire une vidéo, comment ça s'appelle, multijoueur en escarmouche, hein, voire, je crois que je l'avais déjà fait sur MW2 2022, donc voilà, c'est assez dynamique, voilà, c'est quand même assez nerveux, mais on va voir ce que ça peut donner en vrai, parce que là c'est vraiment des bots, je voulais tester un petit peu ce que ça donnait. Écoutez, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à like la vidéo, et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez, moi je vais vous laisser. Ciao, ciao. PlayStation.